Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Moumikid. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ces deux petits sachets pour fabriquer son propre slime. Donc nous avons la Reine des Neiges et pour le deuxième, nous avons Bayana. Et pour cela, rien de plus simple, il nous faudra de l'eau, la poudre qui se trouve à l'intérieur, les paillettes, il va nous falloir mélanger tout ça. Nous allons même avoir une petite surprise. On va tout de suite ouvrir et voir ce qui se trouve à l'intérieur. Nous avons la poudre qui va faire le slime en le mélangeant avec de l'eau, les paillettes et la petite surprise, c'est un petit médaillon Reine des Neiges. On va remplir le petit gobelet comme ceci, en respectant la petite ligne ci-dessous. Voilà, les paillettes. On referme et on mélange bien. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour voir le résultat. En attendant, je vous propose de réaliser le deuxième. Un petit médaillon. La poudre. Et les paillettes. Je vais mettre de l'eau en respectant la limite. Voilà, comme ceci. On va mettre le sachet. On va y mettre les paillettes. On referme le tout et on secoue. Je vous donne rendez-vous dans 5 petites minutes pour voir ce que nos deux jolis slimes ont donné. À tout de suite. On va voir tout de suite ce que ça a donné. Déjà, la couleur est très sympa. Ça a bien fonctionné. Il colle encore un petit peu entre les doigts. Oula, je pense qu'il faut peut-être un petit peu le travailler. Regardez-moi ces belles paillettes. Il est très élastique, un petit peu collant pour le moment. Peut-être que
si je le malaxe un peu plus. En tout cas, la couleur et les paillettes sont juste sublimes. Regardez-moi ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ouais. C'est déjà beaucoup mieux. La texture colle déjà moins. Je vous propose de regarder le deuxième. Regardez-moi cette couleur, elle est juste sublime avec les petites paillettes. Il a une bonne texture, il colle encore un petit peu au doigt, mais je pense qu'en le travaillant, ça ira mieux. Regardez-moi cette texture. Voilà les deux slimes que j'ai réalisés avec vous. N'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez. En tout cas, c'était effectivement très facile à réaliser. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne MoumiKid pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt sur MoumiKid. Bye bye !